prêt? On peut commencer? Ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit travail de recherche qui est mené compte jointement entre deux laboratoires. Donc, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, qui est situé à l'UPS, qui est présenté par Samer, ici présent, qui est chercheur là-bas, et moi-même, Rémi, qui suis du laboratoire d'informatique du Mans. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'envisager une nouvelle manière de donner des privilèges à une application, donc autrement dit, de se passer de sudo et su que la plupart d'entre vous ont dû utiliser au moins une fois. Alors on va un peu parler du noyau de Linux, mais je vous promets, on ne rentrera pas dans le code source et je ne vous montrerai pas de schéma obscur. On va rester simple. Donc traditionnellement, si le franc cas d'une entreprise, on a un admin qui a les super pouvoirs, donc qui est le root, et des utilisateurs qui peuvent avoir des besoins un peu spécifiques dans les programmes qu'ils exécutent. Donc par exemple, un utilisateur qui va vouloir utiliser des sockets pour se connecter à un réseau un peu particulier, ou un autre qui veut débugger un processus, et tous ces applicatifs nécessitent ce qu'on appelle des privilèges particuliers que l'on n'a pas en tant qu'utilisateur normal. Donc généralement, ils vont demander à l'admin de les rajouter dans le fameux groupe sudo, donc un groupe d'utilisateurs qui va pouvoir utiliser cette fameuse commande qui va donner des privilèges. Et donc, une fois dans ce groupe, on tape sudo ma commande et la commande s'exécute et on a accès à ces fonctionnalités particulières. Donc, par exemple, le premier utilisateur va pouvoir débugger son processus et la seconde va pouvoir utiliser ces fameuses sockets brutes. Un problème avec sudo, c'est que dès lors qu'il nous donne ces fameux privilèges, le programme qu'on exécute s'exécute sous le nom du root, c'est-à-dire avec l'identifiant 0, et donc il a tous les privilèges possibles et inimaginables de la machine. Donc si moi je veux exécuter, alors pas tous les privilèges, mais une grande partie, si je veux exécuter un programme particulier, et que je veux juste lui donner le droit, par exemple, d'utiliser ces fameuses sockets, je vais lui donner d'autres droits, et donc je risque d'avoir une faille de sécurité. Et donc, un utilisateur non averti pourrait alors, en tant qu'utilisateur du groupe sudo, effectuer une commande malencontreuse, ou bien un utilisateur un peu plus vicieux pourrait installer un ensemble de logiciels malveillants sur la machine. Et chez nous, à la maison, on a le même problème, mais un peu plus rapide. On est généralement directement dans le groupe sudo, très rapidement, et dès lors, on va pouvoir faire toutes les manipulations dont on a besoin, et un utilisateur non expert pourra, là encore, avoir des risques de réaliser des commandes malencontreuses ou bien de provoquer une faille de sécurité. Donc, un petit exemple de problème que l'on peut avoir avec sudo. Si par exemple, je regarde qui je suis, donc là je suis l'utilisateur test 2, j'appartiens au groupe 2, et si je regarde quelle est un peu la configuration de sudo, je peux voir ici qu'il y a un utilitaire qui a été configuré, VI, qui est normalement un utilitaire de test, qui peut être accédé avec sudo sans demande de mot de passe. Et le problème, c'est qu'avec cet utilitaire, on peut exécuter un shell à partir de celui-ci, donc ouvrir un nouveau une nouvelle ligne de commande, et être en route, et à partir de là, je peux faire tout et n'importe quoi. Et il n'y a pas que cet utilitaire VI, il y a plein d'autres outils qui peuvent bénéficier de ce problème avec sudo. Donc, par exemple, Docker va nous permettre, si je l'exécute en tant que sudo, d'exécuter tout un tas d'autres programmes, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes. Donc, une idée a été proposé avec Linux, ce qu'on appelle Linux Capabilities, qui a été introduite, et l'idée, c'est le moindre privilège. Plutôt que d'avoir un énorme passe-partout, je vais découper tous les privilèges possibles en différentes petites clés, et je vais donner ces privilèges au programme, et je vais essayer de donner que ceux dont ils ont besoin. Donc ça, c'est l'idée de base. Alors, comment ça marche en pratique ? Un processus en cours d'exécution a tout un tas d'informations, et parmi les informations qu'il a, trois nous intéressent ici. Il a trois ensembles d'informations
qui vont décrire les privilèges auxquels il a le droit, lesquels il peut utiliser. Donc le premier ensemble s'appelle permitted. Donc c'est les privilèges qu'il va avoir la possibilité d'exploiter. Effective, c'est l'ensemble des privilèges qui sont rendus actifs. Donc le processus va pouvoir passer un privilège de permitted et le mettre dans effective, et à partir de là, il va pouvoir réaliser une opération qui nécessite ce privilège. Et un troisième ensemble, inheritable, dont je parlerai un peu plus tard. Donc par exemple, mon processus bash a 4 privilèges, et il va en placer 2 dans l'ensemble effectif. Et lorsque ce processus va vouloir réaliser une opération qui nécessite un de ses privilèges, par exemple ouvrir une socket de type raw, lorsqu'il fait cette demande-là, le noyau du système va aller vérifier dans cet ensemble de privilèges effectifs si le privilège est bien présent. Si ce n'est pas le cas, il refuse l'opération et généralement le programme s'interrompt. Si c'est le cas, l'opération est réalisée. Concernant ce troisième ensemble, inheritable, donc il va nous falloir parler de la manière dont un processus, enfin de la manière dont on exécute un nouveau programme. Donc, petit rappel pour ceux qui ne sont pas habitués, vous avez un processus qui a un programme, un code binaire en mémoire qu'il exécute par le processeur instruction après instruction. Et lorsque l'on souhaite exécuter un nouveau programme donc qui est présent sur un fichier sur notre disque, eh bien, le processus va recouvrir son code à lui par ce nouveau fichier. Donc, voilà comment ça se passe, c'est dans les grandes lignes. Au moment où il recouvre ce nouveau fichier, donc il charge le fichier et il recouvre tout son code binaire en mémoire. Comme c'est un nouveau programme qui est chargé, forcément en termes de sécurité, on a moins confiance. Et donc l'idée de base, ça a été de dire, dès lors qu'il y a recouvrement, dès lors qu'il y a exécution d'un nouveau programme par le processus, on vide complètement les privilèges dans les ensembles permitted et effectives du processus. Donc ce qui veut dire que ce nouveau programme, si par exemple j'étais sur le bash, j'exécute tcdump, donc le bash crée un processus qui est une copie conforme, et ce dernier se recouvre par tcpdump, et tcpdump perd les privilèges que pouvait avoir le bash. Il y a une autre particularité pour permettre de fournir des privilèges à ce nouveau programme, c'est de stocker certains privilèges dans le fichier. Donc dans un fichier, on a des extensions du fichier, et ces attributs étendus possèdent différentes informations, dont certaines qui nous intéressent, 3 ensembles, alors qui ont les mêmes noms, mais qui sont sensiblement différents. On va avoir l'ensemble permitted. Donc là, ce sont des privilèges qui, dès lors que le programme sera exécuté, seront transmis au processus dans son ensemble permitted. Ça, c'est simple. On va avoir l'ensemble effectif, qui n'est plus un ensemble dans le fichier, mais un simple bit qu'on passe de 0 à 1. Et lorsqu'on le met à 1, dès que le programme s'exécute, dès que le processus est en cours, tous les privilèges qui sont dans l'ensemble permitted vont être répliqués dans l'ensemble effectif. Et dès le début du programme, on va avoir accès à tous les privilèges. Et puis on a ce troisième ensemble, inheritable. Alors inheritable en anglais, ça fait référence à l'héritage. Le problème, c'est qu'ici, c'est un faux ami, puisque inheritable n'est pas un héritage au sens propre du terme. Donc voilà comment ça marche. L'idée, c'était de pouvoir conserver des privilèges entre exécution de programme. Donc on a le processus d'origine, le bash, qui, après l'appel d'exécution du nouveau programme, va conserver cet ensemble de privilèges. Donc par exemple, toutes mes petites clés, elles vont être conservées dans le nouveau programme. Ce qui ne veut pas dire que tcpdump peut y accéder pour l'instant. Pour pouvoir accéder à ces privilèges particuliers, il faut que dans le fichier du programme, donc dans le fichier tcpdump, il y ait dans l'ensemble inheritable, dans ses attributs, certains privilèges qui sont les mêmes que dans l'ensemble de base. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a 2 ensembles, on fait un logic, et les privilèges qui nous restent, eux, vont être placés dans l'ensemble permitted, et le programme va pouvoir y accéder. Donc on voit bien la particularité, c'est qu'il faut à la fois que le processus d'origine ait connaissance des privilèges dont va avoir le programme, dont va avoir besoin le programme qui va être appelé, et il faut que le programme, le fichier programme, contienne lui-même ces privilèges-là dans ses extensions.
Donc ce n'est pas de l'héritage en tant que tel. On ne donne pas des privilèges à un nouveau programme. Il faut qu'ils les connaissent a priori. Et donc il y a tout un champ d'applications qui ne sont pas rendues possibles ici, comme par exemple, j'exécute un programme qui a un ensemble de privilèges. Ce programme a besoin d'exécuter un autre programme, par exemple pour l'aider, qui, à l'origine, n'a pas d'attribut d'extension dans son fichier. Comment lui donner ses privilèges? Et donc ça, c'est un rajout qui a été fait dans le noyau Linux depuis la version 4.3. On a rajouté un autre ensemble de privilèges pour les processus qui s'appelle Ambient. Et celui-ci va faire vraiment office de ensemble hérité. Donc, pour pouvoir rajouter un privilège dans cet ensemble Ambient, mon processus de base, ici le bash, va avoir besoin d'avoir les privilèges qui soient à la fois dans Inheritable et à la fois dans Permitted. Dès lors que c'est le cas, il peut les mettre dans l'ensemble Ambient. Puis ensuite, lorsqu'il va, par recouvrement, appeler un nouveau programme, celui-ci va conserver les privilèges de l'ensemble Ambient. Et une fois que le programme est en cours d'exécution, il va pouvoir exploiter ses privilèges, c'est-à-dire à l'exécution, ces privilèges vont être placés dans l'ensemble Permitted et le programme pourra y accéder. Concernant ce fameux bit effectif qui était dans le fichier, s'il est à zéro, donc s'il n'y avait pas la règle que je vous ai exposée tout à l'heure, eh bien automatiquement, c'est les privilèges de cet ensemble Ambient qui sont placés dans effective. Et comme ça, on assure la compatibilité avec des vieux programmes qui n'avaient pas été conçus pour travailler avec ces privilèges. Alors voilà l'approche actuelle sur Linux, et notamment celle qui est utilisée pour les systèmes Debian et Ubuntu. Elle a toutefois quelques problèmes. Alors je vous ai fait une liste du moins important au plus important. Donc, le premier est assez technique. En gros, dès lors que j'utilise ces fameux privilèges dans les fichiers, dans les attributs étendus, dès lors que je vais exécuter ce programme-là, une configuration qu'on appelle LD Preload, je ne rentre pas dans les détails, ne sera plus utilisée. Concrètement, ça peut empêcher pas mal de fonctionnement. Donc cette configuration-là permet de charger des librairies au démarrage du programme. Et par exemple, lorsque je veux débugger un processus, je ne pourrai pas utiliser ce mécanisme de privilège. D'autre part, tout ce système d'attributs de fichiers étendus où on met les privilèges dans les fichiers a un certain nombre de défauts. Donc on a pas mal d'utilitaires qui travaillent mal avec eux, qui ne savent pas les exploiter. Et puis surtout, dès lors que je déplace un fichier ou que je le supprime pour le recréer, généralement ce qui se passe quand on fait une mise à jour, on perd tous les attributs. Donc tout ce que j'ai pu rajouter moi à la main en tant qu'administrateur, je dois le refaire continuellement. Enfin, concernant l'exécution des privilèges, enfin, cette manipulation, on a un gros défaut. L'utilisation de script ne permet pas l'exploitation des privilèges, puisque je vous rappelle que lorsque vous exécutez un script, bash, Python ou autre, en fait vous exécutez l'interpréteur qui lui va lire votre fichier. Donc vous ne pouvez pas mettre des privilèges sur un fichier script. Les privilèges sont mis sur le programme. Donc là, ça va nous poser un certain nombre de défauts, de problèmes quand on veut avoir différents privilèges pour différents scripts. Donc on a des difficultés à administrer quand on a un grand nombre de programmes à gérer ou différents utilisateurs, puisqu'on a une vision essentiellement centrée programme. Pour l'instant, je vous ai parlé de privilèges et de programme processus, mais je n'ai jamais introduit la notion d'utilisateur. Si je donne un privilège à un programme, quel que soit l'utilisateur qui peut l'exécuter, il y aura ce privilège. Je ne peux pas distinguer entre deux utilisateurs. Donc pour répondre à ces problèmes, on a proposé une première implémentation en prototype d'un module qui s'appelle Root as Role. Donc c'est un applicatif qu'on installe qui est constitué de deux éléments principaux. Un petit applicatif comme sudo qui va nous permettre d'exécuter un programme avec un certain nombre de privilèges et un fichier de configuration pour l'administrateur. Donc cet administrateur, lui, ce qu'il a à faire tout simplement, c'est prendre la liste des privilèges qui est définie dans le noyau, définir des rôles, donc de manière totalement logique. On définit des rôles où on y met un certain nombre de privilèges, puis affecter des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs à ces rôles. Pour être un peu plus précis, on peut également affecter un groupe ou un utilisateur à un rôle en le contraignant à un certain nombre de commandes. Donc par exemple, je vais pouvoir dire que mon utilisateur peut utiliser
le rôle 2 uniquement pour TCP dump. Donc si j'ai mis dans le rôle 2 juste le privilège d'ouvrir, de pouvoir écouter le réseau ou d'ouvrir une socket brute, je vais pouvoir limiter cette utilisation à TCP dump et pas à un autre programme. Une petite démonstration avec les trois types de fonctionnement qu'on a vu, donc sudo, puis les capabilities Linux de base, puis RAR. Donc si je prends l'exemple d'un script Python que j'ai, qui est un simple serveur qui veut se mettre en écoute sur le port 80. J'ai fait mon petit serveur HTTP. De base, avec sudo, je vais faire sudo Python mon serveur. Ça va marcher, sans problème. Mais si je regarde un peu en détail les droits du processus, donc je vais voir que j'ai bien mon processus serveur qui est exécuté en tant que root. Et si je regarde les informations sur ce processus, je vais pouvoir obtenir les fameux privilèges. Donc c'est des masques où chaque bit correspond à un privilège. Et j'ai une petite commande qui s'appelle capsh qui va me permettre de déchiffrer tous ces privilèges. Là, c'est illisible, mais c'est la liste des privilèges que j'ai donné à mon programme. En gros, je lui ai tout donné. Donc avec sudo, mon script a la plupart des privilèges disponibles. Alors si j'utilise la commande setcap, donc elle qui exploite les fameux privilèges Linux, Linux Capabilities, je vais commencer par rajouter à mon programme Python un privilège, donc ici c'est capnetbind qui va me permettre d'ouvrir un port, n'importe lequel, et je suis obligé de rajouter ce privilège au programme, l'interpréteur, à Python lui-même, pas à mon script, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc je le rajoute, j'exécute mon script, tout va bien, il ouvre bien le port, il est bien en écoute sur le port 80, et le problème, c'est qu'évidemment, si j'exécute un autre script Python, lui aussi aura les droits d'ouvrir n'importe quel port. Donc il faut à chaque fois que j'enlève le privilège de l'interpréteur Python, que j'exécute le nouveau script, etc. Donc le problème avec cette cap, c'est que là, ici, n'importe quel script a le privilège que j'ai donné à l'interpréteur. Alors le module qu'on a proposé, on commence simplement par définir, donc c'est un fichier XML, dans lequel je définis un rôle. Donc ici, je définis le rôle 1 et je lui mets la liste de privilèges que je lui associe. Donc ici, je lui ai juste mis « ouvrir n'importe quel port ». Je vais pouvoir ajouter des groupes ou des utilisateurs. Donc là, j'ai quelques exemples. J'ai deux groupes, ADM et Office, qui vont pouvoir utiliser ce rôle pour n'importe quel applicatif. Et le groupe Secretary, qui va pouvoir utiliser ce rôle pour seulement deux commandes, Printer et Other. Et ce qui m'intéresse ici, c'est l'utilisateur que j'ai rajouté, qui s'appelle Awazan, et qui peut utiliser ce rôle uniquement pour cette ligne de commande. C'est la ligne de commande complète. Donc ça va être Python, le script et les paramètres. Là, s'il change le paramètre, ce ne sera pas considéré comme cette même commande. Et donc ici, je lui ai donné les droits. Donc si cet utilisateur Awazan exécute son programme en exploitant donc l'utilitaire qu'on fournit qui s'appelle SR, où on donne le rôle puis le programme, eh bien, je vais avoir l'autorisation d'ouvrir ce port 80 et d'exécuter mon programme. Et dès lors que sa mère, donc là on a une première étape, dès lors que sa mère a lancé le programme, on l'authentifie, donc un peu comme avec sudo, on lui demande son mot de passe, et si l'authentification est correcte, le programme s'exécute dans un environnement où on lui a donné cet unique privilège. Et dès lors que le programme s'arrête, SR reprend la main, enlève le privilège et on se retrouve sur notre bash d'origine, sans être privilégié de quoi que ce soit. Et puis si ce même utilisateur essaye d'exploiter ce rôle avec un autre programme, comme on l'a vu, cette fois-ci, ça lui sera refusé. Donc voilà ce qu'on a proposé. Aujourd'hui, on est confronté à plusieurs limites du noyau Linux. Alors la première limite qui nous empêche d'aller plus loin, c'est que cette notion du moindre privilège n'est en fait pas tout à fait respectée. Dans l'idéal, on devrait être capable de définir des privilèges plus finement. Aujourd'hui, on a une liste qui est définie par le noyau. On ne peut pas en rajouter facilement, on ne peut pas les décomposer comme on le veut. Et on n'a pas de paramétrage. Par exemple, ce privilège dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est ouvrir un port, c'est ouvrir n'importe quel port. Je ne peux pas associer une ressource à un privilège en disant ce sera le port 80 ou le port 443. Donc ça, c'est un premier défaut qu'on a. Et un autre défaut, c'est dans l'implémentation même de Linux Capabilities, des librairies qui sont exploitées,
qui reste sommaire aujourd'hui. Alors, pour deux raisons. La première, c'est lorsque le privilège est refusé, donc lorsqu'il n'y a pas la correspondance entre les ensembles permitted, effectifs qu'on a vu tout à l'heure, l'erreur retournée sera toujours la même et n'a pas d'explication. Donc, c'est l'erreur de permission. Et donc, un utilisateur qui rencontre cette erreur, généralement, son programme va s'arrêter en lui disant qu'il ne peut pas aller plus loin. Mais il ne peut pas savoir pourquoi il n'a pas pu continuer à exécuter le programme et il ne peut pas donc déterminer quel est le privilège qu'il lui demande et en faire la demande. Et pour l'administrateur, il n'y en a pas non plus de moyen de connaître les privilèges à l'avance. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore aujourd'hui de standard où un programme est capable de se décrire en termes de privilèges nécessaires. Donc on va le faire un peu au tâton ou alors avec une documentation, si elle est bien fournie, qui nous décrit tous les privilèges à fournir au programme. Donc c'est ce sur quoi on travaille maintenant en termes de perspective, où on aimerait développer, contribuer à améliorer le noyau Linux ou à développer un module qui permettrait d'aller plus loin dans cette gestion des privilèges. Donc notre code est open source, donc on appelle à la contribution, et en tant que chercheur, si on a des étudiants ici intéressés par un stage rémunéré de 3 à 4 mois, on serait heureux de vous recevoir dans notre laboratoire. Je vous remercie, puis je serai ouvert à toutes les questions sur cette présentation. Alors, tu as travaillé avec OpenBSD, ça ? OpenBSD, en fait, il n'a pas... Je sais pas qui a posé la question, mais OpenBSD, en fait, il n'y a pas le système... Ils n'ont pas adopté le système de Linux Capabilities. En fait, j'avais regardé OpenBSD, ils n'ont pas adopté le Linux Capabilities. Et du coup, par définition, on peut pas en fait utiliser notre module avec OpenBSD. Ils ont par contre un système qui s'appelle Pledge. Ouais, mais c'est ça, mais je parlais plus comparativement. Ah voilà, donc c'est pas la même chose. En fait, avec Pledge, en fait, c'est pas la même chose. Avec Pledge, c'est une façon de, en fait, de contrôler. Donc en fait, il faut pas mélanger. Justement, en fait, le mot capabilities, il est vraiment mal choisi. De la barre de Linux. Enfin, pourquoi ? Parce qu'en fait, on mélange là avec un modèle de contrôle d'accès à base de capabilities et ce n'est pas la même chose. Là, quand on parle de capabilities, c'est vraiment les privilèges. Donc, ce sont vraiment les permissions dans le kernel. Donc, par contre, quand on parle de capabilities, là, par exemple, quand vous allez faire, je ne sais pas, ouvrir un fichier, il va vous retourner le UID, vous voyez, le ID de fichier. Ça, c'est, on appelle ça capability. Et ce n'est pas la même chose. Donc, et c'est, en parlant de OpenBSD, ils n'ont pas adopté l'idée de Linux Capabilities, généralement capabilities ou les privilèges administratifs, décomposition de privilèges administratifs. Et donc, en fait, avec OpenBSD, on a toujours ce système root, voyez, où il faut toujours utiliser en fait l'utilisateur root pour administrer le système. Vous voyez, ils n'ont pas décomposé les privilèges administratifs comme Linux en plusieurs petits morceaux, comme c'était le cas avec Linux Capabilities, comme aussi avec d'autres distributions, en fait. Voilà. Alors, j'ai pas compris, pardon. Et maintenant, au lieu de faire une séparation par-dessus, le système, ils ont plus juste pris la séparation des syscalls. Donc, pour chaque, je considère que chaque syscall, c'est un peu une capability. Je ne sais pas ce que c'est. Le droit est capable de lire un système de fichiers, le droit est capable de lire un socket, est capable de. C'est pour eux, c'est ça. Alors, pour eux, voilà, donc en fait, avec OpenBSD, c'est qu'elle essaye de résoudre le problème avec justement ce système de pledge, qui permet en fait, en gros, d'avoir en fait de décomposer le programme en plusieurs processus, et donc en fait d'avoir une sorte de processus en fait qui vont préparer toutes les capabilities à l'avance, et après en fait ils vont créer d'autres processus et en leur passant
toutes les ressources qui ont été ouvertes par ces processus-là en leur interdisant en fait d'ouvrir ou de demander de nouvelles ressources. Donc ça, c'est en gros l'idée, je pense, de Pledge. Alors en fait, honnêtement, j'ai pas cherché plus que ça pour OpenBSD, mais ce que je pense de ce système du point de vue extérieur. Mais en fait, l'objectif, c'est que vraiment, il faut pas mélanger le mot capabilities qui est en fait là, dans ce sens-là, ce sont vraiment les privilèges administratifs avec le mot capabilities qui est dans le domaine, dans la littérature du modèle de contrôle d'accès, c'est autre chose en fait. Vous voyez? Et donc nous en fait, et je pense avec OpenBSD, c'est que en fait il n'y a pas cette décomposition de privilèges administratifs. C'est que en fait on a gardé ce modèle d'administration qui est venu de Unix traditionnel et qui est toujours utilisé avec OpenBSD. Donc il n'y a pas cette décomposition de privilèges administratifs en plusieurs petits morceaux. Voilà. Ça c'est ce que j'ai pensé. Après je n'ai pas vraiment étudié plus que ça au BMBSD. Mais ce que c'est ma connaissance par rapport à ce système aujourd'hui. Voilà. J'ai pas entendu parler de SE Linux. Qu'en est-il des contextes et des policies SE Linux avec votre projet RAR? Alors justement, si je ne me trompe pas, donc SE Linux exploite un module qui nous permettrait, dans l'idée, d'intégrer ce modèle-là de gestion. Donc plutôt de mettre à jour le kernel en dur, utiliser le module qui exploite SE Linux serait une bonne idée pour éviter les effets de bord. Mais justement, aujourd'hui, on ne s'est pas concentré sur SE Linux, qui, lui, est prévu pour ajouter toute une couche en termes d'administration. Alors, Samir, si tu veux compléter... Effectivement, en fait, c'est Linux, c'est un système complet. Donc, effectivement, il permet d'appliquer complètement la liste, le principe de le moindre privilège. Simplement, en fait, c'est un système très compliqué. Et en fait, c'est un système de base de la labellisation. Et donc, il faut tout labelliser, les fichiers, les utilisateurs, les groupes, etc. etc. Et je ne dis pas... Quand il dit compliqué, la vision qu'on a, c'est le système de tout le monde, que ce soit pour une entreprise ou pour un particulier. Ma grand-mère, je ne l'ai pas mis sur SE Linux. Voilà. Ouais, mais votre grand-mère, vous ne la mettrez pas sur RAR non plus, parce qu'elle n'en a que faire d'avoir des ROSO 4. Sauf que pour moi, administrer à distance, c'est beaucoup plus pratique. Oui, je peux comprendre. Mais il faut des compétences. Il faut des compétences que tout le monde n'a pas. Il en faudra pour votre système, parce que l'utilisateur lambda qui à l'exception faite où si on a un système où un programme peut se déclarer, on peut faciliter la création d'interfaces qui présentent les permissions à donner. Alors, quand on est programmeur et quand on fournit un programme à quelqu'un, on lui fournit au moment de l'installation la configuration SE Linux pour l'intégrer dans une policy pour avoir les privilèges, etc. Donc, t'es un bon programmeur. Mais oui, non, mais c'est, je suis d'accord avec toi. Si les compétences sont présentes entre le programmeur, l'administrateur, SE Linux aujourd'hui répond à ce problème. Mais il est, dans les stats, il n'est pas implanté partout. Alors c'est peut-être deux visions des choses. Peut-être ça pourrait être intéressant plutôt de porter SE Linux. Moi, je dis juste que c'est dommage de réinventer la roue alors qu'il y a déjà des choses qui existent et qui marchent bien. Vous pourriez plutôt orienter vos recherches sur comment faciliter l'utilisation de SE Linux qui est prouvé aujourd'hui pour le rendre plus accessible à l'administrateur, au programmeur ou à l'utilisateur qui a besoin de développer. Mais en fait, il y a eu toujours des tentatives pour rendre l'utilisation de ces Linux plus facile. Alors, nous, on n'est pas parti de cet objectif. Nous, notre objectif, c'était comment utiliser en fait uniquement les privilèges d'administrateur, comment en fait permettre aux utilisateurs de l'utiliser le plus facilement possible. Alors, vous parlez de l'exemple... Ce que j'ai compris, c'est que juste en utilisant le kernel, il va falloir attendre encore une ou deux versions du kernel pour que vous puissiez le faire. Sinon, il faut faire un module, et donc, autant utiliser un module qui existe déjà,
plutôt que d'en refaire un. Parce que là, en plus, vous êtes sur un sujet qui parle de sécurité, et donc vous allez forcément être analysé par tous les hackers, par la communauté, pour savoir si les modules ou les solutions que vous proposez sont fiables, et si elles ne le sont pas, elles ne seront peut-être pas utilisées, alors qu'il y a déjà des modules fiables aujourd'hui. Oui, mais et encore une fois, c'est que c'est Linux, c'est en fait, on peut l'utiliser pas uniquement juste en fait pour les privilèges administratifs, mais pour plein de choses. Et en fait, généralement, il est très compliqué, c'est à gérer. Et donc, il faut labelliser les fichiers, les utilisateurs, etc., etc. Et nous, on est parti du principe comment en fait rendre la distribution des privilèges le plus facilement possible. Alors, on n'est pas encore arrivé tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'à cause de ce problème de kernel qu'on vient de citer, donc le jour où on va arriver à résoudre ce problème-là, peut-être ma grand-mère pourra utiliser ce système. Voilà. Merci. On parle après. Voilà, donc on n'a plus le temps pour d'autres questions, mais merci beaucoup en tout cas. Merci.